20 km de Kolotiti dans le département du Dian où ils avaient été enlevés, les autorités locales exhument les dépôts des 6 délégués départementaux. Des images qui ont suscité une vive émotion, ce d'autant que jusqu'à samedi dernier où leurs restes ont été ainsi retrouvés, le gouvernement n'avait quasiment rien dit sur le sujet. Un choix cynique pour Charles Ndjikam. Il s'agit de 6 pères de famille, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5, 6 hauts responsables. Ce qui n'encouragera certainement pas leurs successeurs ou les autres responsables de ce même niveau à aller œuvrer pour l'État là-bas. C'est au mois de juin dernier qu'un séparatiste repenti avait révélé que les 6 fonctionnaires n'étaient plus en vie, précisant qu'ils avaient été exécutés et enfouis dans une forêt loin de la ville de résidence par leurs kidnappeurs. Membre de la société civile, Cyril Roland Bechon demande au pouvoir public de s'expliquer sur ce qu'elle nomme une indifférence injustifiable en situation de crise. Il est inadmissible, incompréhensible que des personnes qui ont choisi de servir la République, l'État, perdent ainsi leur vie. Donc c'est une occasion d'appeler une fois de plus les pouvoirs publics vraiment à apporter des solutions durables à la crise anglophone. Les familles des victimes ont maintes fois dénoncé en sourdine une gestion incompréhensible de l'un des kidnappings les plus graves depuis le déclenchement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains acteurs politiques pensent que les proches endeuillés devraient être dédommagés, non sans qu'une enquête sérieuse ne soit ouverte pour clarifier les contours de la tragédie. Il faut réclamer qu'une commission d'enquête indépendante soit mise en place pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé concernant ces 6 délégués départementaux, d'une part. D'autre part, il faut effectivement leur rendre hommage et il faut qu'un dédommagement conséquent soit servi aux familles. La découverte des restes des 6 délégués départementaux enlevés dans le Dian illustre une dégradation du climat sécuritaire dans cette unité administrative située non loin de la frontière avec le Nigeria voisin. De nouvelles victimes qui s'ajoutent à une série d'officiels tués dans les deux régions depuis le déclenchement du conflit en 2016.